et certains ont décidé de passer cette journée ensoleillée sur l'eau. Que ce soit avec un moteur ou avec une voile, beaucoup avaient opté pour le bateau. Reportage en région namuroise de Simon Brel. Au bord de la Croisette, les bateaux touristiques n'en finissent pas d'embarquer des passagers. Il fait chaud alors à bord. La brise est plus que bienvenue pour les touristes. Le gérant, lui, entame une journée qui s'avère bien remplie. Vous êtes au four et au moulin aujourd'hui ? Ah oui, certainement. Il fait beau, 25 degrés, qu'est-ce qu'on demande de plus ? Dès qu'il commence à faire beau, les gens sortent de chez eux et se déplacent, quoi. Ça va être une bonne journée aujourd'hui ? Ah oui, certainement. En fin de parcours, chacun semble avoir passé un très bon moment. Ici, on vient en famille et souvent même de l'étranger. Ja, mooi, goede ervaring. Hele mooie bootjes met fluistermotortjes. En je kunt hier heel mooi varen omdat je een leuk loopje kunt varen. Daar kan je ook een stukje zien. Dus echt heel leuk. C'était bien parce que ça allait pas vite et que quand les bateaux passaient à côté de nous, il y avait des vagues et le bateau secouait un peu. C'était facile à piloter. Moi, j'avais jamais fait, mais c'est évident. C'est pas trop rapide, donc. Parfait pour être avec des enfants, en fait. Oui, super. Un peu plus en aval de la Meuse, ce sont les sportifs qui ont sorti leur matériel. Cet après-midi, un cours de voile est organisé au club de Dave, sous l'œil attentif de cette jeune monitrice. Les bobies, il faut revenir ici. C'est le premier vrai week-end qu'on a de la saison où il y a du soleil. On voit que le vent est quand même un peu constant sur la Meuse, ça c'est le principal. Ils n'ont pas trop de risée, donc c'est vraiment le principal pour apprendre la voile. Donc c'est vraiment le temps idéal pour apprendre et débuter. Dans leur biplace, ces apprentis marins, parfois un peu maladroits, s'en donnent à cœur joie. On apprend à faire des virements de bord, à tourner autour des bouées. Pour nous, en tant qu'adultes, c'est vraiment bien. Bref, qu'ils soient à voile, à rame ou à moteur, les bateaux ont conquis la Meuse aujourd'hui et devraient faire pareil dans les jours à venir.